Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on parle de la photo Aiki. Avant tout, je voulais vous remercier. On a passé le cap des 500 abonnés et je reçois des messages vraiment sympas de la part de certains d'entre vous. C'est que le début de l'aventure, mais je commence à me sentir un peu moins transparent sur YouTube. Oui, il a vraiment fait ça, juste pour faire cette vanne au montage. Aujourd'hui, on parle de photo Aiki, ce type de photo très claire qui a vraiment de la gueule. Le Aiki, c'est un peu un truc dont on fait toute une histoire, alors qu'au final, c'est pas si compliqué. Mais avant tout, il faut que je te dise un truc. Une photo Aiki n'est pas une photo surexposée. Le Aiki, c'est une photo dont la majorité des valeurs sont des valeurs claires. Ça veut dire que visuellement, c'est très blanc. Et c'est le principe, c'est ce qu'on lui demande. Du coup, on pourrait se dire, je vais monter la puissance du flash et ça va être bien blanc. Et ça, c'est une connerie. C'est le meilleur moyen de foirer ta photo. Le Aiki, en fait, c'est très logique. Je veux quelque chose de visuellement très clair, je prends un fond blanc. Je demande au modèle de porter du blanc. Oui, je sais, ça marche très bien avec les filles toutes nues, mais tu te calmes. Donc visuellement, un modèle habillé en blanc sur un fond blanc, ma scène contient à la base énormément de valeurs claires. Parce que oui, le Aiki, c'est une photo qui se travaille en amont du shooting. Pour l'éclairage, j'ai utilisé un grand parapluie blanc avec un diffuseur afin d'avoir une lumière très douce et enveloppante. J'ai exposé ma photo correctement, je ne l'ai pas surexposée. Ensuite, j'ai simplement développé cette photo en mettant l'accent sur les tons clairs. Mais rien n'est cramé. Regarde, il y a du détail absolument partout. Une dernière petite chose, une majorité de tons clairs ne veut pas forcément dire aucun ton sombre. Tu peux très bien faire un Aiki avec une minorité de noir assez dense. L'information principale de cette vidéo, c'est qu'une photo Aiki n'est pas une photo que tu surexposes à la prise de vue. Il te faut simplement avoir dans ton cadre une majorité de valeurs claires et ensuite de les développer pour les mettre en avant. C'est tout. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.